Je suis sur un projet d'écolieu à Verdelot, à partir d'une initiative d'un ingénieur agronome qui a voulu faire plus que du maraîchage et qui voulait aussi être dans une dynamique de collectif. Et on a réfléchi à un projet de vivre ensemble. Alors, le projet Terra, en quelques mots, c'est un projet où il y a plein de manières de le décrire. Je vais employer une manière. C'est un projet qu'on peut décrire comme un projet de développement local ou de développement territorial qui est localisé dans une zone rurale du Lot-et-Garonne, donc dans trois petits villages de 200 à 800 habitants, et où l'intention c'est de contribuer à la vitalité du territoire et contribuer au fait que d'engager une transition écologique, sociétale sur ce territoire-là. Et tout ça pour, globalement, si je devais résumer, voir comment on refait société et comment on reconstitue un modèle économique qui soit viable, respectueux des humains et de la nature. Je rentre au projet Terra par la voie économique. Donc, ça m'intéresse travailler pour l'expérimentation d'un projet qui puisse rendre libre et heureux l'être humain et surtout que la partie économique soit entre guillemets résolue. C'est le thème du revenu d'autonomie. Donc comment on va générer un revenu d'autonomie? Cette richesse, elle va venir d'où? Comment on va la répartir? Comment on va faire pour que ça ne parte pas dans les banques ou dans les systèmes financiers, etc., etc., etc. Ça, c'est ma porte d'entrée. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé ça très, très riche en discussion et très accueillant, bienveillant. Il s'est passé que très vite, je me suis rendu compte qu'on n'était pas seul et qu'il y avait beaucoup aussi de projets, même au niveau du territoire proche. Ça conforte, ça donne de la force, ça donne des envies aussi de partager. J'ai beaucoup échangé sur des choses très pratiques, d'organisation, par exemple de réunions, de techniques de communication. C'est les premières universités auxquelles je participe, même si c'est la deuxième édition. Je suis surpris de la diversité des participants. Et ça me paraît intéressant de retrouver cette diversité, de parler avec des gens qui sont différents de moi, mais qui vont dans une direction comme la mienne, mais par d'autres chemins peut-être, avec d'autres moyens, avec d'autres idées à la limite. Mais ça, je trouve ça très, très encourageant, ça me donne de la force. Oui, il y a plusieurs trucs. D'une part, la qualité des échanges qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'assez rapidement, on peut aller parler de choses qui sont essentielles pour les uns et pour les autres, aller creuser des sujets, aller réfléchir, aller... Et ça, c'est plutôt rare. Il y a une chose qui se renforce déjà, c'est le fait d'exprimer et parler de plus en plus librement sur le thème de la spiritualité. Avec tous les échanges qu'on a eus ici, ça me donne encore plus de la force et encore plus de la liberté pour approfondir le thème de la spiritualité. Et chacun avec son spiritualité, aucun problème avec ça. Après, c'est plus sur... Il y a eu aussi un plan, comment dire, d'une ressource, de quelque chose qui donne envie d'aller plus loin encore dans le projet, de ramener d'autres étapes pour que ça prenne une nouvelle dimension. Une dimension que je dirais peut-être plus humaniste, en tous les cas... C'est très enrichissant de se dire que c'est possible en fait. Je trouve que ça redonne vachement de confiance en l'avenir et en même temps de se dire que c'est pas une urgence, mais l'avenir c'est maintenant. On est dans un moment où on se pose des questions par rapport à l'organisation, non? Bon, le thème de l'organisation, il est universel. On s'organise différemment si on est 2, 10, 20, 50. Et à chaque fois, c'est une dynamique. Je crois que dans le fond de toute organisation, il y a « je te traite comme j'aimerais être traité ». Et là, je pense que c'est le chemin. En tout cas, pour moi, c'est un chemin.
Et du coup, sur cette base-là, moi, j'ai eu... j'ai assisté à plusieurs ateliers. Je ne retiens pas tout, c'est très, très dense. Mais à chaque fois, j'ai trouvé quelque chose, presque, que je peux ramener à la maison en disant, tiens, ça, c'est inspirant. Ça m'interroge, ça me vient parler de ma motivation, de qu'est-ce qui m'anime et c'est quoi le sens que je mets. Ça vient me parler de quelque chose, tiens, j'aimerais bien le pratiquer avec les personnes qui sont là-bas. Ça vient me faire comprendre, des fois, des choses que j'ai pu voir qui me laissaient un petit peu circonspecte. Donc, ouais, l'inspiration aussi. Donc, ouais, j'ai ramené pas mal d'inspiration. Qu'est-ce que j'aimerais amener ? Il y a un truc, mais c'était déjà en train de mûrir avant, mais ça s'est confirmé dans certains ateliers, c'est le thème de la réconciliation. Dans des collectifs comme Atera, on est plein de gens différents, on peut avoir accumulé du ressentiment à un moment donné, des incompréhensions, et j'aimerais bien arriver à ce qu'on arrive à faire ce saut pour dépasser un petit peu un certain nombre de tensions qu'on peut avoir, ou vraiment de ressentiments, de malaise, de sentiments que là, à tel endroit on s'est trompé, on aurait dû faire comme ça. Voilà, comment on fait la paix avec le passé pour arriver à quelque part construire la suite. Et il y a d'autres, après, des outils plus ponctuels, comme l'atelier où j'étais ce matin, où il y avait une histoire de croiser nos aspirations, c'est quoi nos aspirations pour le monde, arriver à que chacun s'exprime là-dessus, et puis croiser nos compétences et nos qualités. Et ça, presque rien que dans une première étape, j'aimerais bien le faire au moins dans un sous-groupe, juste pour mieux se connaître, ne serait-ce que pour ça, et pour arriver à stimuler des discussions. Et justement, peut-être sympa pour échanger à un autre niveau qu'un niveau strictement matériel qui est utile. Mais voilà, si on va pas rester sur pourquoi je t'ai tapé sur les doigts avec un marteau le 16 mars 2018. Mais voilà, qu'est-ce qu'on veut construire plus loin et pourquoi finalement ce coup de marteau n'est pas si grave, quoi. Et dans ce contexte, ce qu'on a fait ici, toute la diversité qu'on a trouvée, toute la force qu'on s'est donnée les uns aux autres, va dans le sens de cette nation humaine universelle. En tout cas, moi je me sens en tout cas plus forte d'une certaine manière, ou plus équipée, ou plus inspirée pour retourner en lien, en plus le fait d'être en lien avec ce que font d'autres personnes ailleurs. Tu vois, à la fois on construit des liens avec d'autres personnes qui font des choses et qui essayent de construire cette nation humaine universelle. Et après nous, là où on vit, bon, en tout cas moi, là où je vis, j'essaye de faire des choses avec les autres humains, de construire moi ce que j'appelle voilà, une autre forme de société qui soit plus humaine et qui soit ouverte à tous et toutes. Et donc, quelque part, en venant ici, j'ai été me charger quelque part pour contribuer à la construire. Un message à transmettre. Trouver à côté de... Trouver autour de vous des personnes qui pourraient partager un projet qui rassemble, de faire ensemble, que ce soit culturel la culture du sol, culturel l'art, et qui vous permettent de... où vous vous sentiez un épanouissement, et qui permettent de faire du lien. Et c'est possible, il suffit juste de faire un pas en fait. C'est des tout petits pas au quotidien où à un moment donné, on sort de chez soi. Il y a un moment où il y a besoin d'essayer, enfin voilà, faut pas hésiter à essayer de faire des choses, à se confronter à pas seulement des erreurs, des feedbacks, des retours, et à se mettre en lien avec d'autres personnes, à avoir des lieux de ressources, voilà, avoir à la fois l'action et avoir des lieux où on sait qu'on peut se ressourcer, comme des camps de base et l'alliance des deux fait qu'on peut affronter la difficulté et l'échec et la réussite aussi, hein. Et en même temps on sait qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut aller reprendre de la force, arriver à trouver cet équilibre là, quoi. Moi, c'est ça qui me vient. Voilà. Non, moi je dirais les chemins se font en cheminant. Et s'arrêter dans des étapes comme celle-ci, c'est très intéressant parce que ça recharge. Moi, je sors avec la tête plus large.